Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalys, salut. Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture spécial Hiromashima. Allons-y. Si vous avez plein d'idées de lecture... et des chroniques manga plus détaillées, Rosalys vous a mis la playlist. Chroniques manga dans une fiche dans le petit, ainsi que dans la barre de description. Donc, plein de choses très varié à vous présenter et oui. On commence par on ce qui est le plus enthousiasmant, ce qui nous a le plus enthousiasmé. Ouais, par le one shot Heroes, donc qui est paru en France au mois de septembre 2020. Au Japon, il a été prépublié en 2019. Oui, donc ça paraît chez Kodansha, prépublié dans le Shukan Shonen Magazine, le magazine qui s'appelle Magazine. Et donc, il est paru pour les 60 ans du magazine. Il y a eu beaucoup de célébrations au Japon pour justement faire l'anniversaire de cet élément emblématique. C'est sorti avant même le Weekly Shonen Jump au Japon. Et d'ailleurs, tu as un des t-shirts qui était celui, il me semble, de la collection... Ah oui, du, chez Uniqlo. Voilà, de Uniqlo pour les 60 ans. Ah oui, oui, dans mon dos, ouais, c'est écrit 60 ans Shonen voilà. Magazine. Et donc, Heroes, eh bien, la couverture établit tout de suite la chose. C'est l'entrecroisement des trois univers les plus emblématiques de Hiromashima, c'est-à-dire Fairy Tail, du coup Eden Zero et Rave. Et rien que par le titre, t'as un jeu de mots. Parce que, en fait, le nom de l'auteur, le mangaka, Mashima Hiro, et là, en fait, tu lis Mashima Heroes. En prononciation japonaise, c'est quasiment pareil, sauf que tu allonges le I de Heroes. Et à l'intérieur, c'est pareil, en fait. T'as plein de jeux de mots, t'entrevois un peu l'auteur, un peu sous une forme de vieillard, mais qui s'appelle Mashima. Voilà, t'as plein d'éléments comme ça qui sont un peu interconnectés. Et c'est là que tu vois que chaque héros, de Hiromashima se ressemblent beaucoup, donc c'est très marrant en fait de les faire se rencontrer, se battre, devenir amis. Voilà, c'est vraiment hyper jouissif. Et comme c'est le mangaka lui-même qui il le fait en aimant ses personnages, en y insufflant son souffle épique, son sens du dépassement de soi, de vouloir protéger ses amis. Bref, le meilleur de Hiromashima en un seul tome. Ouais, il y a vraiment tous ces thèmes qui sont emblématiques, l'amitié, le lien entre les personnes, puis beaucoup d'optimisme dans ces différentes œuvres. Ça fait plaisir de revoir aussi les héros de Rave qu'on avait découvert maintenant il y a plus de 15 ans en France. Et là, du coup, ils sont dessinés avec le style actuel de Hiromashima, donc c'est assez amusant de les revoir, du coup, dans cet univers-là. Je trouve qu'il est au sommet de son art, là. Ouais, en ce moment, ouais. Son trait est complètement parfait. Et du coup, il y a énormément... C'est très dynamique. Et donc, le pitch de départ, on retrouve ces personnages sur une île. Et donc, True Island, une île spéciale dans laquelle il y aurait des super pouvoirs. Il y aurait moyen de faire suivre un super entraînement. Quand, enfin, quand Morgan dit True, c'est True. True. Vrai, véritable. Oui. Donc, les héros de Fairy Tail sont en vacances. Les héros de Eden Zero viennent sur une île, enfin sur cette planète pour découvrir quelque chose. Les héros de Rave viennent terrasser un artefact. Voilà, viennent retrouver un Darkbring. Et du coup, bah, c'est, on les entrecroise rapidement. Dans un truc comme ça, il y aurait pu avoir une tentation de les faire s'opposer. Par exemple, dans le Super Sentai ou autre, ils aiment bien faire ça, hein, avant de t'introduire. Ouais, une grande guerre. Voilà, ils font des grandes guerres. Alors que là, non, non, tout de suite, on va viser le côté amical, Shiki et... Ah, Kim... bah quand même, au début, ils se disputent pour un fruit. Oui, ils se disputent pour un fruit, mais j'ai le fruit, on dirait un fruit du démon. Ouais, il y a un petit clin d'œil, je trouve, justement, à ce... cette filiation qu'on a toujours trouvée entre les œuvres de Hiromashima et puis donc on en vient un peu au point et puis après finalement tu veux devenir mon ami. Voilà. C'est trop marrant. Ça c'est le héros de Eden Zero, il veut être ami avec tout le monde. Effectivement, quand tu dis il est au meilleur de son art, c'est qu'aussi dans les décors il y a un soin particulier qui est apporté à l'ambiance. Et cette île qui ne vit que le temps d'un tome, eh bien, est complètement incarnée à travers différentes zones qu'on identifie bien. Et oui, on retrouve vraiment des scènes
jouissive. J'irai pas plus loin que montrer cette scène-là où on voit les trois héros côte à côte. Et du coup, moi j'ai adoré. C'est vraiment une très belle œuvre de fanservice, certes, autour de Hiro Mashima et de ses créations. Mais ça va un peu au-delà parce qu'il y a une vraie réflexion sur le processus créatif et il en joue. Donc j'ai vraiment été très agréablement surpris. C'est une excellente lecture de rentrée. Ouais, pour moi, il est au sommet de son art plus sur les personnages. Parce que je trouve qu'il y met beaucoup de perspectives. Tu vois, c'est hyper expressif. Finalement, il y a certes du fanservice comme il y en a toujours dans le Shonen Magazine, mais je trouve que c'est pas le cœur même du propos. Et voilà, sur tout ce qui concerne l'imagination, la mémoire, ce que tu crées, je trouve que c'est vraiment très bien amené. Et on va pas trop loin non plus dans le fait de se faire se confronter les personnages et autres. Je trouve que enfin tout est très bien dosé sur à peine 10 chapitres. C'est vraiment bien. Et limite, en fait, tu te dis que... Enfin, il le dit même à la fin, je crois, dans la postface. L'auteur aurait bien aimé même développer encore plus, mais il était limité à 10 chapitres. C'est là que tu vois que... Il doit vraiment prendre du plaisir à fond et kiffer, quoi. Parce que quand tu dis « Ah ouais, j'étais juste limité !» Et pas « Oh !» Ouais. Il faut que je fasse 10 chapitres, il faut que je fasse des pages couleurs et tout. Tu sais, t'as certains auteurs qui sont comme ça, un peu genre au bout du rouleau. Tandis que lui, c'est, il prend trop son pied à faire s'animer ses personnages. C'est vraiment cool, quoi. Moi, je... Ouais, bah, je pense que c'est très bien résumé. On sent que, ouais, il kiffe hein, son univers. Et donc, finalement, il a fait plusieurs séries à succès. Là, il est arrivé, la dernière série en date, c'est Eden Zero. On avait chroniqué Eden Zero dès le début. Et on va en reparler encore. On en reparlera sur ta chaîne, dès le moment où ça avait commencé. Donc là, voilà, 10 chapitres. Et il dit, ah, peut-être qu'il y aurait, si ça a du succès, peut-être qu'il y aurait un autre one-shot plus tard. Va savoir, mais en tout cas... Et il réside un mystère d'ailleurs qui commence dès le début parce que du coup ses personnages principaux, enfin son héros à chaque fois a un nom de saison. T'as Haru qui est le printemps, Natsu pour l'été, et on se dit il manque Aki et Fuyu pour automne et hiver, et on saute directement sur 4 saisons Shiki. Et à un moment donné il fait ah je crois c'est Happy qui dit mais si en fait ils existent Aki et Fuyu, mais on vous en reparlera plus tard. On veut savoir. Et ouais. Voilà, donc du coup, très bonne lecture, on est fan. Du coup, on va continuer alors dans un univers plus spécifique. Cette fois-ci, on va retourner dans Fairy Tail avec Fairy Tail 100 Years Quest, tome 6, donc ce fameux spin-off qui se passe après, après la fin de Fairy Tail. Donc, où Hiro Mashima fait le scénario, et on le sent... Et c'est un tome qui est sorti assez récemment au Japon, donc on est quasiment collé maintenant à la parution japonaise en France, puisque même dans la préface, l'auteur évoque le fait que, eh bien, à cause de ce virus, le monde se retrouve plongé dans une situation extrêmement grave, ce qui montre bien... Bah, Le dessinateur dit ça. Voilà. Ouais, je trouve ça fou que toutes les œuvres de Hiro Mashima paraissent à une cadence vraiment folle en France. C'est preuve que ça marche bien en France, plus qu'au Japon même. Donc au Japon, ça paraît dans Maga Pocket, qui est donc la version numérique associée au Weekly Shonen Magazine. Donc effectivement, il y a un chapitre toutes les deux semaines. En France, c'est disponible en simulpub numérique chez Pika. Donc c'est en vente dans les principaux libraires numériques. Et par ailleurs, les tomes reliés paraissent, comme ici, le tome 6, qui nous met en avant justement Wendy. Ça fait plaisir de voir Wendy de nouveau mise en valeur. Et je trouvais... Alors, le tome 5 m'avait laissé un peu sur ma faim, dans le sens où je trouvais que c'était beaucoup de fanservice. Et puis là, on commence à aller plus loin. Peut-être parce que à la fois Hiro Mashima et puis le dessinateur savent que leur série peut continuer. Donc, on va faire des liens supplémentaires par rapport à la série originelle, notamment les pouvoirs qui se révèlent, les pouvoirs de Wendy dans ce tome-là, en lien avec le dernier arc de Fairy Tail. Et on aborde ici une ouverture vers une nouvelle partie de l'aventure. J'ai vraiment trouvé ça plutôt bien amené, et donc je revois mon avis de la dernière fois qui était « ça fait quand même beaucoup fanservice ». Là, on va commencer à aller au-delà, et ça me plaît. C'est comme si tu avais du mal avec fanservice, mais quel mal au fanservice ?
Ouais. En plus, attends, on parle de plusieurs types de fanservice. Oui, là c'est un fanservice, ce que je voulais dire dans le tome précédent, et puis qu'on voit encore un tout petit peu dans ce tome-là, c'est la confrontation des personnages de la guilde de Fairy Tail les uns contre les autres. Donc c'était cette idée-là de fanservice scénaristique qui est facile, voilà, qui est un peu facile, qui fait plaisir, mais dont on sait bien que c'est juste des scènes pour faire plaisir aux fans. Là maintenant, on va aller plus loin dans l'intrigue. On a un véritable ennemi. Voilà. Avec un mystère à creuser. Oui. Voilà, c'est donc ce que j'ai apprécié dedans, avec des rebondissements. Et puis du coup, on revient sur les personnages emblématiques. Là, j'étais étonnée dans ce tome-là, parce que Natsu a utilisé son cerveau à un moment. Oui, c'est vrai. Normalement, c'est pas son fort, quoi, la stratégie. À un moment donné, il a une idée plutôt ingénieuse, ouais. À la toute fin, ouais, c'était plutôt bien amené. On passe à la troisième lecture. La troisième lecture, on n'en avait pas parlé du tome 9 de Eden Zero et du tome 10 qui vient de paraître. Là encore, on est complètement dans la connexion avec la parution japonaise, puisque le tome 10 est paru il y a seulement quelques mois au Japon. Donc on est à fond dedans. Un arc particulier, l'arc qui est dédié à Drakenjo, donc un nouvel antagoniste, enfin qu'on a vu apparaître dès le tome 6, si j'ai bonne mémoire, de Eden Zero, mais là on est beaucoup plus dans les détails et dans cet affrontement-là, désormais. Donc on est dans un moment un peu dramatique dans le tome 9 et surtout dans le tome 10, jusqu'à un twist assez incroyable par rapport à l'intrigue. Ce qui est vraiment plaisant finalement, c'est que du coup on voit que Hiro Mashima a le temps de poser ses différents protagonistes, ses différents enjeux narratifs. Donc tout fait sens, jusqu'à des choses un peu surprenantes qui interviennent par exemple deux tomes plus loin. Donc ce que j'aime avec Eden Zero, c'est cette sensation, non pas qu'on est dans un shonen manga où les révélations et les éléments s'empilent les uns à la suite des autres de manière un peu étonnante, avec beaucoup de deus ex machina, des choses qu'on n'avait pas vu venir et qui résolvent un twist scénaristique, mais là on est vraiment dans des choses qu'il pose progressivement, comme par exemple il l'avait fait avec sa narratrice qu'il ne révélait que justement au tome 7, je crois, de Eden Zero, donc assez tardivement. Donc voilà, j'aime bien le tour que ça prend, on va plus dans une profondeur au niveau du scénario, et c'est toujours comme dans Heroes, eh bien c'est super bien dessiné. Ouais, et puis pour ce qui est de la parution au Japon, Heroes paraissait en même temps que le tome 9 au Japon. Ouais. C'est ça. Et en France, le tome 9 est paru avant, puis Heroes, puis tome 10, mais quand même à une vitesse assez élevée. Ouais. C'est pour ça que je dis, là, en France, on a beaucoup de chance. On a tout quasiment en même temps qu'au Japon. Ouais. Enfin, en version numérique, en simulpub. Complètement en même temps. Donc voilà, c'est. J'aime bien soulever ça parce que c'est un effort de l'éditeur. Et sinon, alors je voulais dire. Ah oui, c'est dans ce tome-là, dans le 10, que je trouve que c'est hyper beau parce qu'à un moment donné, c'est Rebecca, elle tombe. Et attends, si t'arrives à me retrouver la page, elle tombe et je trouve que le plan, il est incroyable. Oh, attends, il est là, je crois. Ouais. Attends, tu veux bien que je montre ça ou pas? Toi, tu vas me dire ça spoil. Bah, on voit rien, on comprend pas. Ouais, là, tu comprends pas. Ok, bah attends, tu peux le montrer toi, parce que comme ça, tu fais bien le focus, et puis ça fait comme si c'était Morgane et son fanservice. Bon, là, pour moi, en fait, je m'en fiche en fait de la nudité ou quoi, parce que c'est pas le propos. Le truc, c'est la dynamique de la page, tout ce qui est amené. Tu vois, là, je trouve, c'est Hiro Mashima au sommet de son art. T'es vraiment immergé dedans. Et t'es pas juste en train de voir des scènes de baston puis tu passes les pages hyper vite, quoi. T'es vraiment immergé d'une manière dynamique. Oh, voilà. Moi j'allais dire que les scènes de baston aussi, elles sont super bien chorégraphiées, et tu les regardes, elles sont extrêmement bien menées. Donc effectivement, il y a ces deux temps, il est capable de maîtriser des temps plus
long, où tu vas sur une planche comme celle que tu as montrée tout à l'heure avec Rebecca, finalement c'est quelque chose où il n'y a pas de dialogue, mais où tu vas prendre quand même le temps de t'immerger. Ça a un rythme plus lent que la scène de baston que je viens de montrer juste avant, mais voilà, il maîtrise bien les temps et les contretemps. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il en parle dans sa postface où il dit qu'il aurait pu tirer des ficelles narratives noires, mais en fait, il a pas voulu, pour préférer s'appuyer sur ses points forts, c'est-à-dire le côté pop et léger, la rythmique. Et ouais, je trouve que ça, c'est génial. Il maîtrise grave les rythmes. Par contre, tu me disais que Eden Zero, ça marche pas si bien ou plus si bien que ça au Japon. En fait, j'étais en train de chercher où était situé le chapitre. Au début. Ah oui, parce que en fait. Ah non. Oui, parce que celui-là, c'était la collabo spéciale. C'était l'annonce de la sortie en animé. Ouais. Et aussi, le fait est que les tomes reliés se vendent un peu moins bien. Là, le tome 9 et au le Japon. Tome 10 au Japon. Que les tomes 5, 6, il y a eu un moment donné où il y a eu un pic, puis c'est redescendu, et on peut imaginer qu'avec l'animé qui arrive maintenant, on tourne cette vidéo le lendemain où le premier visuel et les premières annonces autour du doublage de l'animé de Eden Zero ont été révélées. Donc on peut imaginer, comme souvent avec ce type de va dire mouvement avec une diffusion animée, ça va repartir d'enfer. Ça va booster les ventes du manga. Ça va booster les ventes du manga. Et en fait, je me pose la même question que Hiro Mashima, parce que je crois que c'est ici où il dit « Je suis impatient de voir ce que ça a donné, surtout les scènes d'action avec la force de gravité. » Je me demande aussi, parce que franchement, c'est hyper beau dans le manga. Et le premier visuel clé qu'on a vu de l'animé, je trouve que c'est moins beau que ce que fait Hiro Mashima. J'ai peur. Et donc, tu vois, ça, c'est un Shonen Magazine mois de mai-juin et qui a été sorti avec la couverture sur Eden Zero et l'apparition du fameux tome 10 au Japon. Donc, l'apparition du tome 10 qui venait d'avoir lieu. Donc, à la fois, en même temps, il y avait l'annonce de l'animé et autour de ce tome 10 au Japon, il y avait un petit bandeau qui annonçait justement l'animé. Ah oui, un truc comme ouais, ça. Voilà, c'est ça. Donc, Oh, c'est vrai qu'en version française, ils auraient pu le faire aussi. Parce que je suppose que ce sera en simulcast. En simulcast, ouais. Sur une plateforme de VOD. Mais comme on ne sait jamais très souvent à l'avance sur laquelle. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça doit être ce qui coince. Ouais. Ouah, et bah dis donc, que d'actu. Que d'actu. Hiro Mashima. Que d'actu Hiro Mashima, mais c'est pas fini. C'est pas puisque... fini. On a parlé de Eden Zero, tout à l'heure on a parlé de Fairy Tail, et on va repartir dans l'univers de Fairy Tail avec un élément un peu différent. Alors c'est marrant parce que c'est pas fait exprès, hein. Dans Fairy Tail 100 Years Quest, j'évoquais le fait que c'était un peu Wendy, la star de ce tome-là. Et bien maintenant on va parler d'un manga qui est dédié à Wendy, qui paraît en France aux éditions Nobinobi, qui est une série en 4 tomes, qui est intitulée en France Shonen Manga. Mais au Japon, c'est publié chez Kodansha et pré-publié dans Nakayoshi, qui est donc un magazine de pré-pub de shoujo manga. Et oui, et comme dirait mon ami Bruno, c'est le magazine de pré-pub qui fait foi sur le genre du manga. Donc Nakayoshi, pour rappel, ça pré-publie par exemple Cardcaptor Sakura. Ouais. La destination, c'est petite fille, école primaire à collégienne. Donc voilà, petite fille qui aime par exemple les Magical Girls, la magie, voilà. Donc on s'identifie à Wendy qui me semble à 12 ans. Elle a 12 ans, tout à fait, voilà. Bah, elle a 12 pile ans. Pile le public style, quoi. Totalement. Donc on peut imaginer, donc là on va vraiment suivre Wendy dans le cadre des propres missions qu'elle assure. Eh bien, à la fois le style graphique est vraiment un style shoujo, on voit un peu les personnages de Fairy Tail, on voit Natsu, mais plutôt dessiné du coup sous un œil shoujo. Et par ailleurs, on imagine bien que la lectrice de ce manga, avec Wendy qui ici est une sorte... C'est un peu à chaque fois la petite sœur de la bande principale de Fairy Tail, mais là elle doit se prendre en main, elle doit mener par elle-même ses propres missions et ses propres tâches, aidée de son amie Carla. Donc, c'est quand je prononce le titre. Non, c'est marrant. Aidée de son amie Carla, qu'elle va pouvoir mener ça. Mais donc, on est vraiment dans une représentation shoujo manga. C'est, ça se lit de manière mignonne. Hein. Les intrigues ici sont beaucoup plus douces et simples à réaliser. On va dire, il n'y a pas de... L'objectif, c'est une petite fille qui essaie de grandir, voilà. Qui essaie de devenir autonome. Et... C'est ça.
voilà, de maîtriser sa magie, partir à l'aventure. Mmh. Quand tu te dis que c'est pour petite fille, tu l'acceptes pour ce que c'est, quoi. Voilà. Par contre, si tu dis que c'est un spin-off de Fairy Tail, tu dis, attends, comment ça se fait ? Tout d'un coup, ça devient bébé. Pour ça, je trouve qu'il faudrait... Ouais, je pense que le positionnement est clairement... Oui, après, Nobinobi, normalement, on sait, dans le milieu du manga français, c'est censé être souvent, plus jeunesse, enfin, ouais, plus jeune, plus petit enfant que le reste. Mmh. Voilà, donc je pense que là encore, c'est un manga pour commencer éventuellement à découvrir l'univers de Fairy Tail. Si vous avez un enfant qui aimerait découvrir Fairy Tail parce qu'il en a entendu parler, mais vous dites que la série principale, c'est peut-être encore trop adulte pour lui, ben vous pouvez commencer par justement Fairy Tail Blue Mistral. Ou alors, on l'avait chroniqué, dans la fin de ce Fairy Tail Blue Mistral, il y a quelques planches d'une autre série, d'un autre spin-off de Fairy Tail qui paraît aussi chez Nobinobi. Oh oui, je l'ai mis. Et là. Bien, voilà, j'ai qui mis est Happy. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, qui du c'est coup. C'est encore un autre public. Ouais, et aussi un autre point d'entrée dans l'univers de Fairy Tail. Donc, on est complètement dans cette représentation multiple d'un univers au Japon dans manga qui peut permettre d'entrer dans une intrigue et ensuite d'aller plus loin. Donc là, on est vraiment dans une histoire d'initiation et de quête d'indépendance. Ben, faut se dire, c'est pour petite fille comme Cardcaptor Sakura. Voilà. Voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai un petit peu rigolé tout à l'heure ? Parce que t'as marqué un temps d'hésitation quand t'as dit Carla, ouais, pour le petit chat, dire, parce que en japonais c'est Chalulu, ouais. Et en vrai ça aurait dû être marqué en français Charles, sauf que ben, je suppose qu'en traduction on s'est dit, ils se sont dit Charles ça fait un prénom masculin pour un français, donc Carla, bon pourquoi pas, pourquoi pas Charla, Charla ça aurait été joli. Oui c'est vrai. Et d'ailleurs un petit pont aussi à propos de Erzy dans Eden Zero, ouais. D'ailleurs c'est bien expliqué dans Mashima Heroes que normalement elle s'appelle pas Erzy mais c'est Elushi, donc en fait ça aurait dû être marqué Elsie, mais bon vu que ça faisait un clin d'œil à Arza où elle c'est vraiment un Za, ben voilà c'est écrit Erzy, sauf que du coup quand tu le vois en caractère occidentaux t'as envie de dire Erzy, mais en vrai non, faut dire Erzy. Moi, je trouve que ça fait penser à merci. Tu sais, des fois, je te dis merci. Quand je vais vite, je te dis juste merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est le petit clin d'œil. Effectivement, dans le tome 9 de Eden Zero, Hiro Mashima revient sur les noms de ses principaux protagonistes et la manière dont il décide de donner tel nom ou tel nom. Moi, je trouve que c'est intéressant. Là, toutes ces postfaces, ouais, elles sont toutes bien. Toutes ces postfaces sont intéressantes. Et puis, c'est un auteur qui est très présent sur les réseaux sociaux, à partager... du coup, des infos autour de sa série, partager des infos, ses... des petits dessins chaque voilà, jour. C'est ça. Ses passions autour du jeu vidéo, bref, plein de choses. Ouais, il est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment bien. Auteur qui est venu plusieurs fois en France, notamment. Ah oui, à Japan et qui Expo. Bientôt. Alors, nous, on tourne ça. Attends, on est quoi, le 22 septembre ? Non, 22... on est le 28 septembre. 28 septembre. C'est pas grave. Et donc, en ce moment, il y a encore. Tout le phénomène, parce qu'il avait annoncé sur Twitter il y a déjà longtemps en disant « Oh, est-ce que je vais faire une séance de dédicace online ?» Et puis c'était en plein, quand on était au Japon, c'était encore le confinement. Et puis voilà, on se disait « Les rassemblements librairies, pas possible. » Et du coup, il a été annoncé que des fans internationaux pourraient c'est profiter ça. De ça au terme d'un concours, tout y compris fait. Les fans français. Oui. Donc ça se trouve, le c'est temps que je publie cette vidéo, la séance de dédicace aura déjà eu lieu. Oui, elle a lieu trouve. Quand déjà Alors il y en a plusieurs, il y en avait une américaine et puis je crois qu'il y en a ah, une oui. Ouverte à l'Europe. Ouais. Et de mémoire, ça se passe sur YouTube, la chaîne YouTube de Kodansha, la maison d'édition japonaise. À ne pas manquer. Voilà. C'est, vraiment, on a de la chance à cette époque. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités d'interaction, beaucoup de moyens d'accéder directement et rapidement de manière légale, bah, du coup, aux œuvres, puisque là, on est complètement en raccord avec les parutions japonaises, et ça, c'est vraiment top. Voilà, donc voilà. On aura fait un vendredi lecture vraiment spécial Hiro Mashima. Moi, je prends tout le temps extrêmement de plaisir à lire ces différentes créations, donc j'ai hâte de voir Eden Zero et aussi la manière dont l'adaptation animée va être réalisée. Ouais. Donc Fairy Tail, j'étais vraiment rentré dedans grâce à l'adaptation animée et puis à une musique assez époustouflante. C'est clair. Donc, bah, là, surtout les premières saisons. Ouais. Oui.
adapté par le premier studio, c'est vraiment bien. On espère que ça va être pareil pour l'adaptation animée de Eden Zero. On en reparlera, et puis on manquera pas aussi de vous reparler des mangas de Hiro Mashima dans de prochaines vidéos, notamment des vendredis lectures. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur les différentes œuvres de Hiro Mashima. Et si vous lisez Eden Zero, si vous avez lu Fairy Tail Blue Mistral, Fairy Tail 100 Quest, ou alors le très bon spin-off Heroes, One Shot, pardon. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt et à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye, bye.